Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Swixbox. Salut Lame. Salut Tony. Aujourd'hui, une émission spéciale Mass Effect 3. Le jeu de l'aventure spatiale galactique. Ah oui, non. Alors ça a été attendu depuis un moment. Mm-hmm. Et on est donc au troisième chapitre et on est vraiment impatient de vous raconter le jeu parce que bien sûr, on l'a terminé hein, déjà. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que ma voix n'est pas assez longue. J'ai pas beaucoup dormi. Et t'as trop crié, je crois aussi. Mm-hmm. Restez avec nous parce que vous allez pouvoir gagner des abonnements Xbox Live Gold à la fin de l'émission, pour un mois. Donc on retrouve le commandant Shepard et son vaisseau le Normandie et tout l'équipage et tous les personnages qu'on a pu voir dans les précédents chapitres de Mass Effect. Et au début du jeu, la Terre est envahie par les moissonneurs et il va falloir s'échapper et aller chercher de l'aide à travers la galaxie pour pouvoir nous aider à nous débarrasser de ces envahisseurs. Et une des missions, au début du jeu, nous fait débarquer sur la planète Mars. Tout à fait, on va sur la planète Mars, et puis là, il faut aller chercher un des alliés qu'on connaît déjà, des Mass Effect 1 et 2. Oui. Et puis on a quelques images à vous montrer de cette mission-là. Regardez. Heilige Scheiße, Sie richten Sie hin? Non seulement vous retrouvez des personnages que vous connaissez déjà de Mass Effect 1 et 2, comme Lyara, mais vous retrouvez aussi de nouveaux personnages comme James. Interprété par Freddie Prinze Jr., qu'on a pu voir dans Scooby-Doo. Oui, et maintenant aussi Mass Effect. Mm-hmm. Donc on va voir un petit extrait de Freddie Prinze Jr. dans Mass Effect. Freddie Prinze et je suis James Vega, all at the same time. James is a new character. He's a very serious, very honest, very straightforward soldier, and he puts emotions aside. Ha! You remind me of my old CO. That stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. You have to play it. It's a completely immersive game. It will make you think. You'll actually care about the characters you're playing. You really get to customize the game. And I think that's what gamers want. They want to be able to make decisions that they would make. And that's a really rare thing. Drop me off someplace, because I'm not leaving. Enough! Sometimes you want to be evil. Sometimes you want to punch somebody instead of saying, yeah, you should have been there. Good to hear it. La meilleure expérience que vous allez pouvoir avoir avec Mass Effect 3, c'est bien sûr sur Xbox, parce que nous avons l'intégration avec le Kinect. Vous avez la reconnaissance vocale qui vous permettra de diriger les personnages, actionner des éléments comme ouvrir des portes et choisir les armes et les magies que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu. Lame, tu nous montres comment ça fonctionne ? Bien sûr. Activate. Ich brauche eine klare Antwort, Shepard. Concussion shot. Examine. Activate. James, carnage. With the Kinect, I can stay engaged and continue without pausing the game. Frag grenade. I just finished playing Mass Effect 3 with the Kinect and it was absolutely incredible. It's much more involving now that you don't have to point and click. I can just see me screaming in the middle of a battle. All you have to do is look at the enemy and you just say it and they do it. Response in the game was quick. Really, really quick. Open. Vous allez pouvoir jouer à Mass Effect 3 de la manière que vous êtes le plus à l'aise. Donc pour ceux qui sont plus fans de jeux de tir à la première personne, ils vont pouvoir jouer au jeu de manière beaucoup plus action. Pour ceux qui sont plus fans d'RPG ou qui aiment beaucoup plus se concentrer sur l'histoire, ils vont pouvoir choisir ce mode-là. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir acquérir des points d'expérience pour votre personnage et faire évoluer ses capacités ou ses habilités, que ce soit au niveau du tir, de la persuasion, au niveau du dialogue ou dans d'autres choses. Et vous accumulez des points dans tout ce que vous pouvez faire, même en ouvrant une simple boîte ou en ouvrant une porte, vous allez pouvoir acquérir des points. Les rebondissements jouent aussi un rôle très important dans Mass Effect, comme toujours déjà dans Mass Effect 1 et 2. Où les décisions de ces jeux ont aussi un effet sur l'histoire du troisième jeu.
Donc là, vous retrouvez aussi le Elusive Man, l'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, oui, tout à fait. Qui a une autre connexion avec toi dans le Mass Effect 3, si tu as fait des différents choix dans les jeux précédents. Donc, regardez un extrait de l'homme de l'ombre. Das unterscheidet uns, Shepard. Wo Sie Vernichtung sehen, sehe ich Kontrolle. Die Macht der Reaper beherrschen und lenken. Stellen Sie sich vor, wie stark die Menschheit dann wäre, wenn wir sie kontrollieren. Over my dead body. Mit diesen Daten befreie ich die Galaxie endgültig von diesen Maschinen. Ihre Vision ist lächerlich begrenzt. Vous retournez aussi dans la Citadelle, c'est la grande cité que vous connaissez aussi déjà. Là, vous cherchez aussi de l'aide avec toutes les espèces que vous connaissez de l'île. Ich habe kaum einen Puls. Abtransport. Wohin bringen Sie sie? Huerta Krankenhaus, das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. Talk. Hallo, Commander Shepard. Willkommen auf der Citadel. Kenne ich Sie? Ich bin Avina, eine interaktive virtuelle Intelligenz. Sie sind eine VI? Ja, ich biete an bestimmten interessanten Orten der Citadel Ratschläge und Hinweise an. Dies ist Andockbucht D24. Dans Mass Effect 3, vous allez aussi avoir des séquences d'action assez sympathiques, avec par exemple cette séquence dans le vaisseau où vous allez devoir tirer sur tout ce qui arrive sur vous et vous devez faire un peu comme dans une séquence d'action dans Call of Duty. Regardons maintenant cette séquence avec une tourelle que vous dirigez pour éliminer les ennemis qui vous arrivent dessus. Ça rappelle beaucoup les séquences qu'on a pu voir dans Gears of War 3. Et enfin, dans Mass Effect 3, un mode multijoueur est là. Enfin. On l'attendait depuis un moment. Vous avez pu découvrir une partie dans la démo qui était disponible sur le Xbox Live. Oui, là, vous avez pu jouer à un mode qui ressemblait plutôt à Horde de Gears of War 3. Exactement, mais le jeu vous réserve beaucoup plus de surprises en termes de multijoueur. Donc on vous invite vraiment à découvrir tout ça dans le jeu. On va retrouver Toby qui est à San Francisco pour les toutes dernières nouvelles de Mass Effect 3. Ich bin tatsächlich in San Francisco und ich bin hier mit der Normandie gereist, um nicht so schnell zu sehen. Und wir holen jetzt dort Informationen zu Mass Effect 3 direkt von den Entwicklern. On console, on Xbox, I play as a femme shep, she's quite the renegade. And on PC, I play as a male shepherd, who's fairly paragon, unless I have a bad day. The multiplayer experience in Mass Effect 3, we've been thinking about it for a long time now, and when we started designing it, we really thought hard about how do we make multiplayer work in Mass Effect 3. We don't want it to be bolted on or shoehorned in. We want it to be the experience that Mass Effect fans will enjoy. So things like RPG customization, customizing your character, customizing your weapon, all of that, the stuff that's great about the single player experience is also in multiplayer. And the best part is you can enjoy Mass Effect with your friend who lives across the city, across the state, across the world. It's up to 4-player co-op, so you and a couple buddies can join forces. You can play as a Krogan, you can do the Krogan charge, which is one of my particular favorites. But it's a great experience. I mean, you, for the first time ever, fans can experience the war against the Reapers as other characters other than Shepard. The characters that you're playing as in multiplayer are actually in the same war that Shepard's in. So as they make progress through their campaign, you'll see an impact in your single player campaign. So it's a really cool way for people who play the single player campaign to kind of feel the urgency to play multiplayer and kind of introduce them to it and give it significance and importance. It's not just a bolted on mode, it's a fluid and well integrated experience in the game. The end of the war is all up to the player. It all depends on how much they want to put in it. Like we just talked about, you know, multiplayer
Your progress there can help boost your readiness against the Reapers, and all the decisions you make and all the choices you make, all the time you put in it, that'll help impact the ending ultimately. Voilà pour cette émission de Mass Effect 3. Le jeu est disponible. Courez le chercher. Comme vous le savez, si vous avez jamais fait le Mass Effect 1 et 2, vous pouvez les télécharger sur Xbox Live. Ils sont en téléchargement. Ça vous permettra de non seulement de découvrir toute l'histoire, les personnages, mais aussi ce que vos choix et vos décisions que vous allez faire dans le 1 et le 2 auront un impact dans le 3. Donc très important d'y jouer, je pense. Et pour le concours, vous avez un code qui va apparaître en bas de l'écran. Si vous êtes le premier à entrer ce code sur votre console ou sur le site web, vous aurez le droit à gagner un mois d'Xbox Live Gold. C'est bien ça. Et si vous gagnez, dites-le nous sur Facebook pour qu'on soit au courant. Voilà. Mais d'ailleurs, en parlant de Facebook, le site c'est Xbox Suisse. Tout à fait. Alors retrouvez-nous là-bas, laissez-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez du jeu et ayez beaucoup de plaisir avec Mass Effect 3. À très bientôt. À bientôt.